Un mot d'agriculture avec Tupuay qui a produit l'année dernière 350 tonnes de carottes et qui s'est donné pour objectif de doubler ce rendement en 2023. Pour relever ce défi, la Chambre d'agriculture fait appel au service de Nelson Van Kam, un agriculteur de la presqu'île de Tahiti. Il est chargé de former les producteurs des Australes sur la fertilisation et l'amendement des sols. Cette mission durera jusqu'à la récolte des légumes en juillet et août. Nelson Van Kam est interrogé par Ambroise Colobani. La formation de la plantation de carottes, c'est de peut-être d'amener un amendement par rapport au support, différents supports, le sable et par rapport aussi à la terre. Ces deux supports qui sont différents, alors c'est peut-être c'est pas la même façon d'amender. Avec la pratique que je fais actuellement à Tahiti, nous avons quand même des rendements qui ont multiplié par 3, même par 4. Alors je pense qu'ici, je pense qu'on a presque le même climat et c'est un climat qui est plus frais que Tahiti normalement. On va arriver aussi. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.